Salut les amis, c'est Joazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur Forza Horizon 5 sur Xbox Series X. Et c'est parti mon kiki. Voilà, donc ici pour la première fois je vais enregistrer la vidéo avec mon nouveau boîtier d'acquisition, donc en 2560x1440. Donc n'hésitez pas à les mettre de meilleure qualité possible sur votre téléviseur ou sur votre smartphone. Cela dépend si vous me regardez sur un téléviseur ou sur un smartphone. Voilà, voilà, j'espère que ça donnera bien, que ça ne saccadera pas à l'enregistrement. Allez, là, on revient en arrière, tac. Ravi de vous revoir, l'enragé. Ouais, ravi de te revoir, enfin, de t'entendre aussi. Allez, on est à la Casabella. On va choisir une nouvelle destination. Où est-ce qu'on pourrait aller? Tac, 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 tac. Pas trop loin. Il n'y a pas des épreuves que j'ai pas encore faites ici, dans le coin. Nouveau, c'est quoi ça ici? Descendre de la jungle. On va aller là, tiens, on va essayer ça. Terminer la descente de la jungle, allez. Hop, on va se diriger là. On va voir en quoi ça consiste. Faites demi-tour dès que possible. Dans 200 mètres, tournez à gauche. En tout cas, c'est toujours un plaisir de s'y remettre, même si vous allez peut-être dire ouais, tu t'y mets pas beaucoup parce qu'on voit pas beaucoup de vidéos ni de live, mais avec le boulot je suis toujours fatigué, c'est pénible, mais bon voilà, malheureusement je fais au mieux. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo il est très tard, j'ai travaillé ce matin. Je pense que les piles de ma manette vont bientôt être plates parce que je ne sens plus les vibrations. D'accord, c'est légèrement. Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ça se sent tout de suite ces trucs-là. Encore 6 km en rouette. Ah, j'aime pas du tout quand il n'y a plus de vibration. On dirait qu'il manque quelque chose, c'est dingue hein, quand on s'est habitué pendant des années à avoir ces vibrations, maintenant dès qu'il n'y en a plus, ça fait zarbi. Et vous, est-ce que vous êtes vraiment habitué aux vibrations dans les jeux vidéo? Est-ce que ça vous fait drôle s'il n'y en a pas, ou est-ce que vous n'aimez pas? Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas hein, les vibrations dans les manettes. Et moi je trouve que ça donne super bien, ça donne une toute autre dimension au jeu. Et c'est pour ça aussi que j'ai hâte d'avoir ma PS5, parce que ça va être encore autre chose, ça. Ah ouais, c'est de l'autre côté, je suis pas du bon côté en fait. On peut casser. Oh oui. Oui, ça a l'air solide, mais ça ne l'est pas. Faites demi-tour dès que possible. Ouh là là, pas trop loin, Joe. Allez, descendre de la jungle. Je suis trop loin en arrière ou en avant là du coup. Voilà. Allez, donc on va le faire en solo évidemment. Descendre de la jungle. Si on sèche. Comme la saucisse. Lol. Allez, on va prendre celle-ci.
la Ford Escort RS Cosworth WRC Cossi V2. On va prendre celle-là. On verra bien ce que ça donne. Je ferai pas très longue cette vidéo parce que comme j'enregistre en plus haute qualité, je sais pas quelle taille va faire le fichier au final. Donc voili voilou. On va essayer de faire quand même une demi-heure. On verra bien. On va commencer l'épreuve. Je me suis acheté aujourd'hui aussi chez Dreamland le WRC10. J'avais dit que je ne l'achèterais pas, mais j'avais dit que je ne l'achèterais pas en prix plein, donc à 60 ou 70 euros sur Series X. Parce que j'avais été déçu par le WRC9, pas par le jeu lui-même, mais par le niveau de difficulté qui est vraiment très élevé par rapport au WRC 5, 6, 7 et 8. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, je me suis dit que je ne le prendrais pas au prix plein et ici il était diminué à 30 euros. Donc c'est la version Series X directement et on ne sait pas y jouer sur la Xbox One. C'est indiqué sur le boîtier Xbox Series X. Donc je l'installerai dès que possible, dès que j'aurai fait place aussi parce que là j'ai plus de place du tout. Pour vous en faire une petite vidéo découverte. Malgré que d'autres ont déjà fait ça avant moi, mais bon. Vous avez l'habitude avec moi en général, pour la majorité des jeux, je suis toujours en retard. Et je m'en excuse. Je suis cinquième et on est déjà à plus de la moitié de la course. Je suis presque là en mode touriste alors que non Joe, il faut foncer, c'est le but dans le jeu en fait. Ouais, tiens là trop vite. Heureusement hein, qu'il y a le Y, la touche magique. Oh là là, mais quel kiff cette maniabilité et ces graphismes. Franchement, le jeu est super joli. Moi, j'adore. Faudra que je me remette aussi, sur le 4, qui était excellent. Mais je m'y remettrai quand je serai un peu plus loin dans, sur celui-ci, ou quand j'aurai terminé à la limite celui-ci. On verra bien. Parce qu'après, on est tranquille 2 ans avant d'avoir un prochain opus. Enfin, quoi que l'année prochaine, il y aura Forza Motorsport 8. Là, on l'aura pas. On les aura plus. J'ai trop traîné. Hein. J'y ai trop été à la cool. Allez, on a terminé 5e, cette descente de la jungle. Est-ce qu'on la refait? Est-ce qu'on la retenterait pas une fois? On va voir, on va recommencer. Ouais, on va recommencer, on va essayer de faire une meilleure position. Oh, mais regardez-moi ces décors et par quand, ouais, ça c'est bien. En la recommençant, on peut changer la difficulté. Mais je vais le laisser comme elle est. Tac. On va essayer d'être concentré un peu plus. Oh là là là. Il va falloir que je prenne des vitamines, moi, pour être moins fatigué, moi, souvent, à cause du boulot, parce que... Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir profiter de mes jeux plus souvent. C'est dingue.
Allez, si ceux de devant pouvaient se plantouiller un petit peu, ou beaucoup, hein. Mais au moins un petit peu, ça serait bien. Allez, on passe à la troisième position. J'y vais un peu plus franco que tout à l'heure. Heureusement d'ailleurs. Hein. Et ça paye. Mais bon, faut faire gaffe. À pas partir en sucette. Comme là. Heureusement, il y a le Y. Quand tu pars en sucette, t'as le Y. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu pars en sucette, t'appelles pas Suzette, t'appuies sur le Y. Comme maintenant, encore une fois. Évidemment, je fais le malin, je vais trop loin, et trop rapidement aussi. Oh, je rappuie sur le Y au lieu de rappuyer sur le A. C'est vraiment kiffant. Hein. Wow. Allez, zombies. 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 Hey, hey, hey. Moi, je sais, je suis pas tout à fait dans le rythme, mais bon, vous avez compris le concept de ce que je voulais faire passer. Et puis, il est tard aussi. Hein. Ah, il trace, hein, le bougre. Mais on est quand même deuxième. Tout à l'heure, c'était cinquième. Donc là, ça va, je vais me contenter de ça. À chaque fois que je termine une course, je regarde sur la table comme si j'allais regarder le chat sur mon smartphone. Mais non, je suis en vidéo, je suis pas en live. Normalement, je voulais vous le faire en live, mais je me dis, je vais devoir diminuer la qualité et tout. Ça donnera, et comme je suis, ça donnera peut-être pas bien. Et comme je suis assez difficile. Allez, est-ce qu'il y a un truc dans le coin qui serait pas mal ici? Encore un cactus. Dans mon slip, il y a un cactus. Distinction recommandée. Total de panneaux. Ah non, c'est un truc de panneau, ça. Ah non, voilà, c'est ici. Cross Country de Las Ranias. Cross Country de Las Ranias. Cross Country de Las Ranias. Pas facile à dire, hein, avec l'accent mexicain. Las Ranias. On fait pas les feignas. À Las Ranias, on ne fait pas les feignas. Oh là là, mais regardez-moi ce ciel. Hashtag ciel partagé. What the dieu, celle-là aussi c'est partagé. Faites demi-tour dès que possible. Mais non. Attends. Tu rigoles ou quoi? Oh, cette teinte et tout, franchement, c'est du plus bel effet. Dans 400 mètres, vous arriverez à destination. Voilà, il y avait encore une autre épreuve. Bon, on va aller de façon à celle-ci, hein. Allez, grande grâce, grande Agnès, nous voilà. Tac.
On va peut-être changer de véhicule là. On va peut-être prendre celle-là, tiens. Ouais. La Ford Bronco. Comme ça, on varie un petit peu aussi les véhicules et les types de véhicules. Ah oui, me voilà avec mon tube piñata. Et mon magnifique t-shirt quand même. Hein. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de le voir, mais... T-shirt qui va avec la manette Forza Horizon 5. Ah, le véhicule, il fait un peu penser à Mario, hein, en rouge et bleu, comme ça. Oh, qu'est-ce que j'adore ce style de course aussi. C'est pas toujours évident, hein, parce que quand tu loupes un point, si tu regardes pas bien à l'horizon pour voir où il est, le prochain... Wouhou! Non plus les louper en les prenant à l'extérieur parce que sinon c'est ballot. Mais bon, c'est bien, la touche Y, hashtag Suzette, et là, oh là là, mais oh, j'adore quand il y a des petits animaux comme ça qui se baladent dans la nature, et surtout que tu ne peux pas écraser, c'est ça le principal, parce que je suis sûr qu'il y en a des petits malins qui s'amusent à essayer de les écraser, mais je ne suis pas comme ça. Ils tracent quand même, j'essaye de pas trop ralentir, pas trop freiner, mais ils y vont. Hein. Quatrième, on est où là, on perd un peu de vitesse du coup. Allez, ils sont là tous les trois devant moi. On est à 70% de la course, il y a moyen. Oh là 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 là. Il y en a pour quelques centaines de dollars, centaines d'euros de réparation. Hein. Et quelques milliers même. Ouh là là, ça va être foutu à mon avis pour être sur le podium. What the hell? Où je vais? Ah, je tombe pas droit. Oh là 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 là. L'arrivée est là-bas, donc c'est déjà foutu. Tombe trop mou, hein, franchement. C'est quoi cette cet atterrissage là? Quatrième. C'est encore la loose. Hein. On va la refaire. On va la refaire. On va la refaire. N'est pas super rapide, mais bon, c'est dès le départ qu'il faut grappiller déjà du terrain sans ralentir, parce que j'ai souvent les c'est l'erreur que je fais, c'est de trop ralentir, trop freiner. Tu vois, quand tu y vas avec un peu plus d'assurance, t'es directement mieux placé. Hein. Mais bon, en même temps, faut bien retomber sur ses roues aussi. Hein, parce que sinon, il y avait encore le petit animal là au même endroit.
Parce qu'il a compté, il y a l'air. Hein. J'ai vraiment passé tout juste à l'extérieur. Hein. Je pensais qu'il allait vraiment me dire que je l'avais loupé, mais non. Je suis sûr qu'un millimètre de plus décalé, et c'était scarpe. Fera moins de dégâts cette fois-ci. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Je me dis, il n'y a plus la ligne, c'est quoi ce bins? J'ai oublié de tourner. Tu le crois ça? Tu le crois ça? Et là, on voit pas forcément que ça tourne. Hein. Tu regardes pas la petite map sur la gauche là. Oh, cette musique, franchement. T'as l'impression que tu vas voir débarquer Speedy Gonzales. Non, 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 me dépasse pas. Yes, ça c'est de l'arrivée. Cool. Allez, 22 minutes. Et Nrowet, on va encore faire une épreuve ensemble. Tac. Ça fait déjà 5 victoires en cross-country. Eh ben, tu fais ça avec tous les organisateurs ou juste avec moi? Eh ben. Yeah, I won again. Qu'est-ce qu'on va gagner cette fois-ci? Un chapeau, une paire de chaussettes, une veste, une blouse blanche. Ouais, je suis. Oh, j'aurais préféré la caisse juste au-dessus. Hein. Franchement. En fait, là, c'est comme dans la vraie vie, quoi. J'ai pas de bol au tirage. Allez, on va vite aller voir ce qu'on peut faire dans le coin. Du moins, pas trop loin. Ici, ah non, il y en a un, je l'ai déjà fait là. Oh, c'est quand même assez loin, mais bon, on va aller jusque là. Là, c'est quoi? Novice de Castillo del Mar. Et là, c'est cross country encore. Bon, on va faire l'autre qui est plus près. Tac. Faites de bon tour dès que possible. C'est dans parti. 100 mètres, prenez le virage serré à gauche. Ah oui, carrément. Ok, madame. Tournez à gauche. Et tournez, hein, tout. Prenez la première sortie. Ben je continue tout droit, hein, voilà. Dans 400 mètres, tournez à gauche.
à gauche. Ah non, je suis à 900 mètres, je veux dire, je suis déjà là, mais non. Mais non, mais regardez-moi ces magnifiques décors avec tous ces palmiers. Allez, on a découvert 37 zones sur 56. Vous avez atteint votre destination. Tu me le dis quand j'y suis. Allez, c'est parti pour la course de rue Castillo del Mar. Aïe. Qu'est-ce qu'on va prendre comme caisse ici? Oh, je me verrais bien la faire avec le... ce truc-là. Non, on va prendre... ça, c'est plus fun. Oh, la voiture comme dans Hot Wheels, là. Ça, c'est celle d'Horizon. Ah, bah tiens, je vais la prendre, celle-là. On va la tester. La voiture qu'on a en bonus quand on achète la manette Forza Horizon 5. Donc on a un petit code DLC, on obtient un t-shirt pour notre avatar. Que vous voyez là qui est magnifique. Et ce véhicule aux couleurs de la manette également. Donc voilà. Castillo del Mar. Oh là. Pas droit au moins, hein, parce que... au niveau dans les virages, à mon avis, ça va pas être ce qui se fait de mieux avec ce véhicule. Hein. Il doit vite partir en sucette. Je le sens bien. Que certains décors, c'est pas du dur, hein, parce que... oh, là, mec, c'est magnifique, regardez-moi ces couleurs là, ces spots et tout, c'est waouh, c'est sublime, magnifique. Tu te concentrerais pas un peu plus sur la courge au lieu de dire des conneries? Magnifique. Ça aussi, c'est mon malheur, c'est que je regarde les décors. Oh là là, quand tu... dans les virages, ça... waouh. Elle survire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais... elle vire plus que ce que tu as envie de la faire virer, voilà. Oh là 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 là. C'est de pire en pire. J'aurais pas dû prendre ce véhicule. Il est beau, mais... la maniabilité, elle est pas au top. Enfin, j'ai pas dit qu'elle est pas maniable non plus, hein, mais il faut l'habitude avec, quoi. Elle part vite en sucette. Je crois qu'on la réessayera la course, mais avec un autre véhicule. Parce que... wow. C'est atroce, c'était vraiment lamentable. Bon, si je fais recommencer, est-ce que je peux changer de véhicule? On va tester ça direct. Tac. Ou alors on le met en plus facile, mais on garde le même véhicule. Épreuve, difficulté paramètres. Non, je peux pas changer de véhicule, donc on va le mettre en plus facile. Du coup, on va le mettre en novice. On verra bien. Hein. On remettra après
en moyen. C'est pas ça qui va faire que ça sera plus maniable et que j'aurai plus facile, mais bon, si j'aurai un peu plus facile peut-être, vu que les véhicules adverses seront moins performants. D'ailleurs, vous voyez, ça se voit directement au départ. Donc là, j'aurai juste à faire un peu gaffe à ma trajectoire. Ça qui est bien que Forza Horizon, moi, tu peux faire chaque course, la difficulté que tu veux. Si t'as plus difficile avec une bouffe, tu le mets un peu plus facile. C'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est ça qui est chouette. Et c'est très arcade, donc. Et chaque véhicule a sa propre maniabilité. C'est vraiment nickel, quoi. Voilà, ici, je fais déjà un peu plus gaffe que tantôt. J'appuie pas comme un bourrin sur ma gâchette d'accélération. Je la maintiens juste à moitié pour pas devoir freiner comme un malade dans les virages et partir en sucette. Pars vite en sucette, hein, non, t'es tchè. Là, je voyais que j'allais passer à côté. Quand tu n'as plus d'assurance, eux, ils en ont, hein, donc faut pas faire le kéké non plus. Eux, ils vont pas ralentir pour te laisser devant, hein. Fils de chien, va. J'aurais pas hésité, je le passais, mais j'ai voulu aller reprendre par la droite, malheureusement. Mais bon, voilà, on va se contenter de la deuxième place. Hein. Youp. Voilà, voilà. Bah 34, presque 35 minutes les amis, donc je vous propose qu'on en reste là pour cette petite vidéo donc consacrée à la suite du let's play de Forza Horizon 5 sur Xbox Series X. J'espère que ça vous a plu, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé. J'ai plusieurs nouvelles aventures et t'as des décisions à prendre. Faut toujours qu'elle m'interrompe. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien, ciao ciao.